Salut tout le monde, aujourd'hui on va tout simplement découvrir un jeu qui s'appelle Doomsday Clicker, c'est pâté. Bonjour chef, le jour J est arrivé. Après des années de plans élaborés et des expériences scientifiques, il est enfin temps de détruire le monde. D'accord, le suspense de ouf quoi. Alors, on va cliquer ou pas? Allez, on clique, ça donne quoi? Est-ce qu'on se fait péter, la tête? On se fait péter la tête ou pas? Ouais, on est mort, ok, génial. On vient de se tuer, c'est génial. Bravo, on s'est tué, bravo. Je vais t'aider à bâtir un abri et à soutirer de l'argent à tous les survivants humains sans défense. Sauf qu'ils sont morts, hein, donc c'est pas très grave à ce niveau-là. Ces humains vont te faire gagner des milliards, des quadrillards, ça existe pas ça. C'est parti. D'après mes calculs, une autre apocalypse transformerait nos humains en mutants. Waouh, mais c'est génial. Il faut acheter, c'est ça? Mais c'est génial. Qu'est-ce que ça donne là? Qu'est-ce que c'est que Xélia? Ah, je produis des machins? Mais d'accord, mais c'est génial. Ah, c'est un peu comme Pony Clicker là, tu vois le truc où on... Eh, mais c'est pas mal le concept. J'adore le concept. Le plan se déroule sans accroc, chef. De nombreux humains sont venus habiter dans ton abri. Ah bon? On va pouvoir leur tirer du pognon, dis donc. Nous devrions bâtir plus de salles pour avoir encore plus d'humains. Non. Allez, vas-y, on teste. Ah, j'ai pas assez. Ah si, j'ai assez. Oh, allez, plus un humain, quoi. Ah là là, et allez, plus un humain. Oh, regardez tout ce que je gagne. Regardez à chaque fois tous les 4 secondes tout ce que je gagne et tout quoi. Oh, c'est génial. Allez, vas-y, on achète un max gros. Attends. Ah, mais celui-là, il est encore plus fluide que Pony Clicker. C'est pas mal ça. Excellent. Chaque étoile obtenue par salle double la vitesse d'arrivée des pièces. Non. Hop, c'est génial. Remplis toutes les étoiles et la salle sera améliorée avec de nouveaux trucs. Non, c'est génial. Vous voyez ici, il y a écrit énergie, là il y a écrit 23 et là il y a une petite barre. Et bah regardez, quand je clique, ça augmente la barre. Et là hop, on a gagné une étoile, t'as vu? Et du coup ça augmente la vitesse, regarde, là on est à 2 secondes au lieu de 4. C'est pas mal hein. Bon, savez quoi, on va acheter de l'eau, c'est parti, qu'est-ce que ça donne? Chef, je suggère de passer à la phase 3. Waouh, allumons le superchargeur. Suspense, Bon, alors on gagne 583 000, ce qui est pas beaucoup, toutes les 12 secondes, c'est génial. Alors en fait, la première étoile est de 25 améliorations, la deuxième étoile s'obtient à 50 améliorations, la troisième étoile s'obtient à 100 améliorations, et je suppose que la quatrième s'obtient à 150, et après la cinquième à 200, enfin à 100, ouais 200 à 200, je suppose, hein, après je suis pas sûr. Alors apparemment j'avais raison, c'est bien 150, attention, hop là, vitesse x2 encore. Oh là là, tout ce qu'on gagne par seconde, mon gars. Truc de fou. Donc du coup, au niveau de l'atelier, je vais voir si c'est bien à 200. Normalement, oui. Donc là, on est à 199 et là, on est à 200. Et qu'est-ce qu'on gagne? Vitesse x2. D'accord, c'est tout ce qu'on gagne. Et après, on peut encore augmenter. C'est parti pour acheter de la nourriture. Qu'est-ce que ça donne? Oh, plus un humain. C'est pas mal, ça. Et oh, 10 millions toutes les 30 secondes, quoi. Ça, c'est pas mal, ça. Surveille les nuisibles de la surface. Qui sait où ils sont traînés? Si tu en vois un, touche-le pour l'effacer de la surface de la Terre. D'accord. Ah, ouais, d'accord. Ah, en plus, je gagne des pièces et tout. Hein. Oh, on dirait que celui-ci contenait des pièces dégoûtant, mais utiles. Ah bah oui, carrément. Écrase-les. Écrase-les tous. Ah, il faut mettre un petit peu de spectacle, sinon c'est pas drôle. Hein. Là, vous avez vu, ils font demi-tour là, vous avez vu? Donc du coup, c'est pas très grave. Ah, et après, ils meurent tout seuls. Ouais, en gros, c'est pas très gênant, quoi. C'est parti pour une cuisine, on est chaud. Attention, qu'est-ce que ça donne? Plus un humain, et ça, ça fait plaisir. Oh là, on est des fous, là, de ouf, là. Vous savez quoi, j'ai découvert un truc, regardez en bas, là. Il y a un petit truc en bas, là. Et bah, regardez, si je clique dessus, on peut acheter des améliorations et tout. Production d'eau, plus 20%, tout ça, tu vois. Donc on va prendre les bases. Ah non, hop, hop, là. Donc on a plus 20, enfin plus je sais plus combien de pourcents d'énergie en plus et aussi de je sais plus quoi en plus, enfin bon. Qui a besoin de café et de sucre quand on peut avoir cet engin diabolique? Cela va supercharger les humains qui vivent ici et augmenter leur productivité. Non, lançons la roue. Ah bah allez, on est chaud. C'est en cliquant là-dessus, là, c'est sur le truc en bas à gauche là. Donc lancer le superchargeur, qu'est-ce que ça donne? Alors x4 là, oh tu me mets un x4, je te... Alors là mes frères... Oh! Oh, le x4! Tout est prêt, ils tiendront le rythme un petit moment. J'espère longtemps, hein. Je t'arriverai
Oh, regardez là-haut. Oh, j'augmente à ouf. Je t'avertirai une fois arrivé à épuisement, alors nous pourrons relancer tout ça. Dans 2 heures, oh, dans 2 heures ça se termine. Oh, mais comment ça dure trop longtemps? J'adore la destruction. Ok, alors je me demande quel effet étrange cela aura sur ces humains si tu détruis le monde à nouveau. Mais non, c'est bon, fais pas ouf non plus. Hein. Tu peux utiliser le bouton multi-achat pour changer le nombre d'améliorations d'installation à acheter. 1, 10 ou bien 50 à la fois, c'est super quand tu as plein de pièces à dépenser. D'accord. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, d'accord, ça augmente. Ça, ouais, c'est comme ça où t'achètes vraiment beaucoup plus d'un coup, quoi. D'après mes calculs, une autre apocalypse transformerait nos humains en mutants. Ces mutants accéléreraient énormément les choses, mais le bunker serait détruit. Ah, le jeu en vaut la chandelle. Ouais, non, c'est bon, j'ai pas trop envie, non. Oh, attends. Oh, ça brille. Non, jure. Alors, tu peux utiliser de l'or pour booster les actions telles qu'améliorer le superchargeur et bien plus. Oh, j'ai gagné un truc humain machin, là. Regardez, mutant actuel 2. Voilà, et en gros, ça fait plus 5% bonus par mutant. Je sais pas, c'est bizarre. On va prendre la science, là, au moins ça fait. Hop là, la petite science. Voilà, donc après on a l'entraînement, après on a le logement, après le loisir, après on a le divertissement et après c'est fini. Ce qui est plutôt pas mal. Alors juste, je vais voir ce que c'est ça, avant de se quitter. Cloneur de pièces, booste 2 fois les profits de l'installation de façon permanente. Oh, c'est pas bête ça. Bon, c'est assez long de trouver des ors. C'est en tuant les mutants qu'on gagne de l'or. Et franchement, c'est assez très long. Augmente le multiplicateur du supercharge de 1. Pas mal. Multi-mutation transforme les humains en mutants sans apocalypse. Vous savez quoi? Moi je dois y aller. Donc c'est pas très grave. Je vais laisser tourner. Comme ça, moi je vais gagner un maximum de thunes. Je vais laisser tourner tout ça. Et puis moi, je vais sur ce. Je vous dirai une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis on refera un deuxième épisode, histoire de conclure un petit peu la vidéo. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool!